journaliste avant, non? C'est pas très dur à deviner, mais t'es perspicace. Je te l'accorde. Pourquoi t'as arrêté? J'ai jamais vraiment arrêté. L'information est une arme, V. Je suis juste passé à un plus gros calibre, tu vois ce que je veux dire? Regina, comment tu décrirais Watson, en une phrase? Les Japonais ont construit Kabuki, mais c'est surtout habité par des Chinois. L'éclat du chrome de Northside a laissé place à la rouille. On a un aquarium rempli de corpos, et c'est pas une façon de parler. Bref, tu sais à quoi tout ça se résume? Une phrase, c'est jamais suffisant. Watson. À plus tard. Salut V. Et oublie pas, les médias nous mentent. Oh merde! Élévation! Bon, voyons ce qu'on a. À plus tard. Salut V. Et oublie pas, les médias nous mentent. Ça a l'air d'être le bon moment. Hola! Je cherche une nouvelle veste. Vous me conseillez quoi? Rien de spécial. Choisissez-en une. Despacio. Salut V. Viens, entre. La pizza va être froide. Cool, t'es là. Assieds-toi. Je te présente Roxane. Elle bosse aux Clouds depuis plus longtemps que nous tous. Salut. Salut, enchanté. Quand on m'a dit ce que t'avais fait aux Clouds, putain, j'étais dégoûtée d'être absente ce jour-là. On mange la pizza gratos et on se casse, ok? T'es venu ici parce que tu veux venger Evelyn pour ce qui lui est arrivé? En partie, ouais. Mais je veux aussi avoir un boulot normal, sans peur et sans drame, tu vois? Vous étiez proche avec Evelyn? Ouais. Je l'ai incendiée quand elle est revenue aux Clouds. Elle était censée être partie depuis longtemps. L'unique rescapée. Mais au fond de moi, j'étais contente de la revoir. Je me sens trop conne maintenant. T'arriveras pas à enlever l'odeur de cadavre. Toi qui passes ton temps à tuer des gens, tu connais pas un moyen ? Alors, t'as vite changé d'avis, finalement. Ouais, et je te dois pas d'explication. Désolé d'insister, mais je veux que tu m'expliques. Si on doit se lancer là-dedans, je veux être sûr que t'es à fond et je veux savoir pourquoi. Tu sais pas grand-chose sur le Clouds, hein? Hiromi Sato et les autres chefs des Tiger Claws entendent et voient tout ce qui s'y passe. Je suis pas arrivée à cette place en criant mes plans sur les toits. Au fait, Forrest est pas venu travailler aujourd'hui. Hier non plus. Sordec, je me demande pourquoi. Il reviendra plus jamais. Je pense que tu sais pourquoi. Moi? Je suis au courant de rien. Ne l'oublie pas. C'est bon, c'est fini les politesses. On a une révolution à organiser. J'ai modifié la puce comportementale. Elle peut doter une poupée d'un système de réflexe moteur pour qu'elle se déplace et se batte comme un solo premios. Fascinant, n'est-ce pas? Ce qu'on peut apprendre en réglant des orgasmes bidons pour les mox. Tu peux sortir? Je veux pas qu'on fume à l'intérieur. T'aéreras plus tard. Ça va, je vais me mettre à la fenêtre. Le corps réagira comme s'il exécutait une série de mouvements connus. J'ai déjà testé sur Tom. Les impulsions de la puce supplantent les réflexes naturels. Alors, l'utilisateur aura l'impression de faire une cyberpsychose. Mais c'est à peu près la même chose que quand on s'active pour un client. Comment est-ce que t'as eu une idée pareille? J'ai appris comment la puce fonctionnait au Clouds. Je me suis toujours dit qu'elle devait être simple à modifier. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt, dans le bureau de Maiko. Bah, heureusement, avec toutes les caméras et les micros qu'il y a au Clouds. Les Tiger Claws préféraient encore retirer ses puces aux poupées à coups de tournevis que te laisser appliquer ton idée. Un solo se contente pas d'exécuter des mouvements, et seulement des mouvements. Il doit analyser des situations et prendre des décisions en une fraction de seconde. Ça demande des années d'expérience. Ça m'étonnerait que ta puce arrive à faire ça. T'as sûrement raison, mais je vois pas d'autre solution. À part un entraînement intensif, mais... on n'a pas le temps pour ça. Une tech avec que des avantages? J'y crois pas. C'est quoi les effets secondaires? Le mode combat s'active tout seul en cas de menace. Et... tu peux pas l'arrêter. J'arrive pas à contourner ce problème. Et c'est tout? Je sais pas. Le seul moyen de le savoir, ce serait de faire des tests sur un panel de sujets pendant plusieurs mois. Il y a aussi le problème éthique. On pourrait tuer quelqu'un et se souvenir de rien. Ok. Je dois le voir pour le croire. Ça y est, quelqu'un l'a enfin dit. Tom? J'ai extrait cette séquence d'une vertu d'entraînement de kung-fu. Je dois avouer que c'est pas mal. Ouais, pour la place du marché de Kabuki. Avant qu'on commence à parler sérieusement, je veux voir le truc en action. Tu viens de voir Tom. J'ai vu un tour de passe-passe. Je veux un combat. On a un expert du corps à corps parmi nous. Je veux voir comment Tommy s'en sort contre lui. V. Faites gaffe à ma piole, ok? Je m'y plais bien. Ça va faire mal. Oh. Hein? Ah! V, ça va? Regarde-moi! T'as vu ça? Faut que je travaille mon cardio. Vas-y, te gêne pas. Qui, moi? Ah non, je suis juste impressionné. V. T'imagines pas à quel point mon temps est précieux. T'es contente? Je suis rarement contente. Mais ça me suffit. Ok, au boulot. On a une équipe de choc constituée de 3 gorilles et une teki. Et ensuite? On maîtrise les gardes et les Tiger Claws dans les environs. On les désarme et on les escorte dehors. Et le Clouds est à nous. Après, on fait une offre au boss. On leur file une partie des bénéfices, et en échange, ils remettent plus jamais les pieds dans le club. Et ils interfèrent pas non plus dans sa gestion. C'est bien ce que je pensais. Ton plan est complètement débile. Tu vois pas plus loin que le bout de ton nez. Éliminer la sécurité du club ne résoudra rien. Les Tiger Claws enverront d'autres hommes. C'est Hiromi Sato qu'il faut viser. Hiromi Sato? C'est qui ça? Le vrai boss du Clouds. Il se montre rarement, mais personne n'éternue sans qu'il soit au courant. Les Tigers lui font confiance et respectent son opinion. Il fait partie du gang. On peut tenter de le convaincre, mais... on aura plus de chance si on arrive à l'intimider. Où est-ce qu'on peut trouver ce Hiromi? Dans son appartement de la Megatour H8. Il occupe la totalité du dernier étage. Il en sort presque jamais. Je vais trouver un moyen de nous faire entrer. Tom et Roxane viendront avec nous? Non. Tout l'intérêt, c'est d'attaquer les deux lieux en même temps. Ils s'occuperont du Clouds. Un double assaut. J'adore. Ça pourrait marcher. Si on l'attaque dans son appart où il pense être intouchable, alors ses chefs comprendront le message qu'on essaie de faire passer. Ça alors? Tu vois quand tu veux. T'es pas complètement moudube. Alors, vous en pensez quoi? V, Tom, Roxy, vous êtes partant? Je dois y réfléchir. J'ai jamais tué personne de ma vie, tu sais. Je suis avec toi à 100%. V. Non mais me dis pas que t'y penses sérieusement. T'irais risquer notre précieuse peau pour une bande de putes? Compte sur moi, Judy. Je t'ai dit que je t'aiderais, non? Merci, V. Gardez les remerciements pour plus tard. J'arrange le rendez-vous avec Hiromi. Je vous tiens au courant. Ça devrait prendre 2 jours. Amusez-vous bien. Ciao. Maiko, attends. Tu peux nous déposer? Seulement si vous la bouclez. Je sens que je vais avoir une migraine. Oh, merde. J'ai peur, V. En parlant de remerciements, je sais que ce que je te demandais est pas gratuit, d'habitude. Tu veux m'aider, je comprends, mais ça me ferait plaisir de te payer au tarif normal. C'est la moindre des choses. Ok. Merci. C'est sympa d'y avoir pensé. C'est normal. Ah! Oh! V, tout va bien? V, t'as vraiment... Ah! Ok. C'est bon. Ça va, je me sens mieux. Qu'est-ce qui se passe, V? T'es malade? Tu te rappelles ce casse pour lequel Evelyn nous avait embauché? La relique que je devais tirer? Je suis vraiment pas prêt de l'oublier. Cette biopuce... Pour faire court, elle contenait l'esprit de Johnny Silverhand. Et son engramme est en train d'effacer mon esprit. Tu plaisantes, là? J'aimerais, crois-moi. Merde. Tu peux faire quelque chose? J'espère. Il est tard. T'es fatigué. Tu peux dormir sur mon canapé si tu veux. Ah, c'est cool. Merci. Bah c'est rien, t'inquiète. Fais comme chez toi. Intéressant. Oh la vache, on dirait un putain de mute. Tu dois te sentir comme un poisson dans l'eau alors. Cette nana a du goût. C'est tout ce que t'as à dire? Et elle est mignonne. 6 sur 10. Je savais pas qu'elle faisait de la robotique. Putain, ça c'est pas croyable. Tu crois qu'elle fait ça pour se détendre? Après avoir passé la journée à régler du porno hardcore, ça m'étonnerait pas. Ça. Merde, c'est pas vrai. Ça va? J'hésite à dissimuler le deuxième cercle aux yeux des ancêtres. C'est quoi ça? J'ai un mauvais pressentiment, V. Je devrais jeter un coup. Oh merde! Rien prévu de toute façon. On va dire que j'ai besoin de changer d'air. Je l'ai toujours. Je te l'amène. Intéressant.